Bonjour Roxane. Bonjour. T'es aussi bien maquillée que Thibaut. Mais Thibaut, c'est je normal. Je suis pas maquillée, en même temps, je viens de me lever donc. C'est la barbe. C'est ça. Thibaut, il a un peu flippé quand il est arrivé quand même. Ouais, bon. Thibaut, s'il a flippé, ça va y arriver de taper la maison. C'est pas grave, il est venu quand on a. Il est venu une fois, il y avait même plus de toit sur la maison. Ouais, j'avoue. Alors aujourd'hui, on va concrétiser un peu une idée à la con qu'a eu mon cousin de m'inviter à son mariage. Déjà, ça c'est une idée à la con, mais comme il est très con. En plus, il est très con. Il m'a dit, est-ce que tu veux être mon témoin? C'est vraiment, si c'est pas des idées à la con, ça. Voilà. Donc, on va faire des essayages costumes. Moi, j'ai déjà mon costume qui est dans les tons de les dress codes, on va dire. Mais on va quand même regarder si on trouve ça avec Thibaut, quelque chose d'assorti. Sinon, je reprendrai un, plus une chemise où on peut mettre des boutons de manchette. Enfin, bref. Voilà, donc là, je m'en vais à Lille. Puis je vais tester la nouvelle voiture aussi. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Et moi, je vais faire le ménage toute la journée. Je suis ravie. C'est une belle journée qui commence. Caméra d'ascenseur. Bonjour, je suis Mia. Bonjour. Bonjour. Tu es de plus en plus haut. Je suis de plus en plus haut. Plus en plus haut. Bon, on vient d'arriver à Lille. Qu'est-ce qu'on fait, Lily? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je mets ma montre à que, droite. Je pense que là, on est voir pour vous. 11h30. On va manger. Moi, je dois passer à la bijouterie, si ça ne vous dérange pas. On passe à la bijouterie. J'ai des papiers à récupérer. On va manger. Il y en a, je pense qu'il y en a qui. Est-ce que ça se voit que j'ai faim? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ce que tu veux. Bar avant la fin du monde. Non, pas ça. L'écume des mers. Non plus. Moi, je bois du poisson. L'écume des doigts, tu connais l'écume des doigts? C'est une chanson d'Aznavour sur l'écume des doigts. Plus jeune. L'écume-moi. Ah, vraiment pas. Non, on n'est pas venu pour vraiment. Premier essayage, on va faire quelque chose de bien. Ça va être bien. Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui passe partout, pas trop. Faut pas que ce soit trop voyant, quoi. Faut que ce soit raccord, mais pas trop voyant. Ouvert ou fermé? C'est smart, hein. C'est un blanc. T'as pas les super cons. Vous pouvez le découdre. Le découdre. Ouais. Moi je pense quand même qu'il y a une retouche comme on dit. Ouais, c'est clair. Vous voulez ça très chaud. Ouais. Si c'est la retouche à la porte, moi je peux vous donner une note, mais vous avez payé pas nos tarifs. Bon, on tient quelque chose. Ça fait peut-être un peu sérieux, vous avez pas l'habitude de me voir comme ça, je pense. Non. Non. C'est cette coiffure qui me gêne. Mais bon. Mon nœud pape, ce sera pas celui-là, mais j'aime bien le tissu de ce nœud pape-là. Ça va bien avec, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Franchement, on aime bien. Faisons l'amour, Tony. Non, c'est grave. Thibaut, il est un peu en galère parce qu'il. Disons que Thibaut fait beaucoup, beaucoup de vélo. Que là, des gros mollets. Peut-être trop de vélo. Mais bon, ça va. C'est des Balenciaga hollandaises. Pour touristes allemands. C'est pour les Allemands riches qui vont à la plage. Voilà. Ouais, bien. Tout me va. Ah, mon téléphone sonne. Ça doit être Kanye West pour un partenariat. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui avec des boucles d'oreilles improbables. En fait, pour tout vous avouer, je les ai mises pour les essayer, pour voir ce que ça donnait, parce que je les ai achetées l'année dernière, je les ai jamais portées. Et ça a beaucoup fait rire Owen. Voilà, je les ai mises, ça l'a fait délirer. Je pense qu'il a pris ma tête pour un hocher. Voilà. Bon, il faudrait pas qu'il tire dessus quand même, ça pourrait faire mal. Voilà, alors comme vous avez pu le voir ce matin, Alex est parti sur l'île avec le deuxième témoin du mariage de Julien. Julien qui est un cousin éloigné à Alex. Et moi, je suis demoiselle d'honneur de leur mariage. Et vous verrez plus de choses
dans quelques temps, voilà. Parce que bien sûr, on organise chacun de notre côté les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons. Bref, j'essaierai de vous montrer ça. Ça risque d'être assez drôle. Sur ce, les deux zouaves sont là. Owen va beaucoup mieux. Donc ses yeux, c'est pas encore la folie. Enfin, vous savez qu'il a une petite infection dans l'œil, toujours à cause de ce canal bouché. Il est là qui me regarde en souriant. On va les rejouer un peu dans la chambre, je pense. Et puis Mila est là, en forme, voilà. J'ai les deux moustiques avec moi toute la journée. Ils ont intérêt à être sages, moi je vous le dis. Mais ça va, j'ai retrouvé un bébé souriant comme d'habitude, je suis contente. Regardez-moi cette canaille qui est beaucoup plus en forme avec son beau t-shirt. Je l'avais acheté rien du tout à la Redoute pendant le début des soldes, il me semble, ou même un peu avant. Je sais plus quand je l'ai acheté, mais j'avais pas payé cher du tout, j'avais payé quelques euros. Et je le trouve trop beau ce t-shirt, il est canon. Ah mon amour, petit chat, il a retrouvé sa bonne humeur, je suis trop contente, il a retrouvé ses petits sourires faciles, etc. Je suis trop contente. Franchement, ça m'a fait trop mal au cœur ces deux petites journées où il était vraiment pas bien. Et là, je suis contente que ça aille mieux, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? L'oreille un peu reculée, mon oreille. Elle a un peu reculé? Ouais, là. Comment ça se fait? Je sais pas. T'as des oreilles un petit peu reculées? Comme papa? Maman aussi, elle a ça. Un petit peu. Ah, mais sauf le petit coquinou là. Coquinou, il a pas ça. Mais toi, t'as ça. Et Mila, c'est pas grave, hein. T'as des très, très jolies oreilles. Maman, elle adore tes oreilles, mon amour. C'est un petit peu bas, ça, normalement. Oh oui, c'est un t-shirt robe, on va dire. C'est un t-shirt qui peut faire robe. Oui, qui peut faire robe. Coquinou! Là-bas, regarde-toi dans tout, tu vois tout. Coquinou! Bon, Mila, elle veut absolument être avec moi à la caméra. Mais ouais, elle me parle de ses oreilles. De plus en plus, Mila, elle me parle de ses petits trucs. Quand elle a une petite griffe, quand elle a un petit bouton. Pourtant, oui. Elle a que 4 ans. Par exemple, je me fais un bobo. Je me suis fait un bobo au genou. C'est pas grave. Et j'avais pas vu. Et l'histoire des oreilles, c'est pas la première fois que tu m'en parles. Mais elles sont belles, tes oreilles. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai envie d'avoir les mêmes oreilles qu'Owen. Pourquoi t'as envie d'avoir les mêmes oreilles qu'Owen? Parce que j'aime bien. Parce que t'aimes bien? Tu préfères les oreilles d'Owen que les tiennes? Oui. Comment ça se fait? Parce que j'aime trop Owen. Moi j'aime trop tes oreilles à toi, mon bébé chat. J'aime trop tes oreilles, elles sont trop belles. T'as des mini-oreilles de petite fée. T'as des mini oreilles de petite fée, bébé, regarde, maman aussi a des petites oreilles de petite fée. Bon, du coup, Mila, voilà, elle se pose des questions sur ses petites oreilles, etc. Parce qu'elle voit des fois, même avec ses cheveux, ça dépasse un peu. On verra plus tard si vraiment on ressent un stress à ce niveau-là. On verra plus tard si elle veut faire une petite opération qu'Alex a faite d'ailleurs. Parce qu'Alex, de base, a exactement la même chose qu'elle, sauf qu'il a des grandes oreilles en plus. Donc Mila a les toutes petites oreilles, toutes mignonnes. Et on verra plus tard. Moi, je suis pas du tout pour cette opération. Mais parce que je juge qu'on est bien avec nos trucs à nous, mais avec nos petits défauts, que je n'appelle même pas un défaut. Hein. Mais c'est vrai que voilà, j'ai déjà eu même des réflexions sur ma chaîne YouTube hein, quand j'avais encore mes commentaires. Je suis désolée, j'ai un bouton là qui me pousse depuis que je me suis maquillée. Je sais pas ce qui se passe. Très moche, on s'en fout. Et j'ai déjà eu des petites réflexions là-dessus. J'ai trouvé ça totalement stupide de la part de plus jeunes qui me suivent et qui disent ouais, voilà. Du coup, voilà, j'en parle pas trop, vous voyez, je n'emploie pas tous les mots, etc. parce que je n'ai pas envie de faire un stress de quelque chose qui n'a pas en être un. Mais c'est quand même très bizarre qu'elle me pose des questions là-dessus à son âge, voilà. Je me dis que peut-être à l'école ou quelque chose qui a eu des réflexions à l'école, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est bien dommage, surtout à cet âge-là. Et j'espère que ça ne deviendra pas un espèce de complexe parce que... J'ai pas envie, on est tous comme on est, on a des petites différences et c'est très bien comme ça, j'ai pas envie du tout
Voilà, bref, ceci étant dit, elle, comme je vous dis, quand elle sera en âge de choisir, elle pourra choisir si elle veut faire quelque chose ou non. C'est comme pour ses trous d'oreilles, elle me l'a encore demandé la semaine dernière. Elle aimerait avoir des boucles d'oreilles. Voilà, donc je lui ai dit oui, parce que si elle a envie, elle a envie. Je lui ai expliqué que bah, ça faisait mal quand on fait le petit trou et qu'après, bon, il faut mettre du produit pour je pense que ça se désinfecte hein, pendant quelques jours. Je me rappelle plus, c'est il y a longtemps, hein, j'en ai fait plusieurs, mais c'est il y a très longtemps. Et voilà, donc on verra un de ces jours, si elle redemande, que je vois qu'elle insiste un peu, on ira lui faire des trous aux oreilles, voilà. Maintenant je demande. Maintenant tu demandes. Elle écoute ce que je dis, hein, la chipie, hein. Maintenant tu demandes. T'aimerais bien avoir des trous aux oreilles. Tu voudrais quoi comme boucle d'oreille? Hello Kitty, qu'on a reçu. Ah, on les a pas reçus, mon cœur. C'est maman qui les a achetés, les Hello Kitty. Mais pour le moment, tu pourras pas mettre les Hello Kitty parce que c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, ni quoi que ce soit. Et que les premières, il faut absolument que ce soit une très bonne matière pour pas que t'aies d'infection, ni quoi que ce soit. Alors, comme Manon, oui. Comme Manon, ben je sais plus ce qu'elle a. Mais on regardera la bijouterie, tu pourras choisir. Parce que Manon, elle a des boucles d'oreilles, c'est vrai. Depuis un moment déjà. Pourtant, oui, Manon, et Clara aussi. Et Clara aussi. Et du coup, Mila, c'est la seule qui a pas encore les boucles d'oreilles. Va falloir être courageuse hein, quand tu vas aller les faire. Hein? Je finis le ménage que j'ai à faire dans cette chambre. C'est presque terminé. J'ai mis Owen pour la première fois dans son lit, son vrai lit de bébé. Et du coup, il kiffe. Il a découvert ça. Donc, ça, c'est le mobile. Il me semble que c'était Les Enfants Sages. Je pense que c'est ça l'Instagram de la demoiselle, enfin de la dame qui. Enfin, je ne sais pas trop qui est derrière cet Instagram en fait. Qui les fabrique, en tout cas, c'est très beau. Et il aime beaucoup beaucoup et il adore ça. C'est une bah, comme une boîte à musique, on appelle ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, du coup il découvre tout ça parce qu'il n'avait pas encore vu tout ça de près comme il les voit là. Et il aime bien. Il adore découvrir de nouvelles choses comme ça. Et je vais rejoindre Jus et Thibaut, on va aller là. Ça ressemble à Shake Shack dans tous les sens du terme. Donc, voilà. Ça ressemble fort à Shake Shack. Je suppose qu'ils sont en haut, les deux hurluberlus, parce que je les vois pas en bas. Ah, je les entends. Ah, ils sont là. Et en fait, ça fait très Shake Shack. Coucou Toton. Mange pas la bouche pleine. Coucou Toton. Donc voilà, on a commandé, c'est le même délire. Tu dis pas bonjour. Si c'est pas copié sur Shake Shack, vous me direz ce que c'est. Chicken out, même truc, même concept, même couleur. Et tonton. Les burgers ont l'air bons, mais la musique c'est pas ça. C'est quoi ça, Julien? C'est ça fait flipper. Tu vas voir qu'un. Monica, Lewinsky. Ça a l'air pas mal. Les frites c'est exactement la même que chez Shake Shack. Je sais pas pourquoi ils ont pas appelé ça Shake Shack. Ça se trouve c'est Shake Shack, mais. C'est difficile pour un français de dire shake shake. Shake 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 shake. Bon, j'ai récupéré ma montre qui était chez Lepage. Un léger manque d'huile dans le mécanisme. Ça me fait penser qu'il faut que je donne mon avis sur le restaurant avec ce raw malodorant. Malvenu. Bref, typique des montres neuves, il m'a dit tout petit manque d'huile dans le mécanisme. Mon cousin qui vient de me rôter à l'oreille. Avec autant de classe, de classe, clairement, d'élégance, je ne sais plus parler. Bref, c'était bien, Shake Shack, ça m'a fait penser, enfin, Shake and Out, ça m'a fait penser au Shake Shack à Londres, donc... Moi, je préfère Check Your Body. Moi, je préfère Check Dallas. Check Dallas. Check Dallas. See you, Missy, my tanga, Check Dallas. Ceci n'est pas un jaune d'œuf. Ceci est un café. Ceci n'est pas un roux. C'est un roux brun. Ce n'est pas un roux, c'est un Livando. Bon, on est allé chez Nespresso parce que Jus a dit j'ai la carte Nespresso, on va aller boire un café. Thibaut aussi. Et Julien s'est senti obligé d'acheter 40 balles, tu vois, pour pas avoir l'air du mec qui vient squatter. Il a gratté un café. Il a gratté un café. Bon, ça va, il va les utiliser. Bon, on était chez. Comment tu... Chez Blandin et Delors. Blandin et Delors. Je ne vous ai pas spoilé, j'ai pas spoilé à tout le monde ta tenue. La tenue. Voilà, je me suis dit pour Hello, pour tout le monde, ceux qui ne l'ont pas vu, ce sera la surprise, c'est pas drôle si. Voilà, on va pas filmer la robe de mariée, la mettre sur internet. Et pour le divorce, tu viendras aussi ici pour le costume? Absolument. Absolument, ouais, mais j'en prendrai peut-être un moins cher. Surtout si elle se barre avec la moitié du pognon. C'est ça. Il n'y a pas grand chose à prendre. Donc... Ouais, c'est bien, toi. Depuis que j'ai mes comptes en Suisse, il n'y a plus grand chose à prendre.
contentieux. Ouais. Bon, là, on va aller chez Colonel Moutarde. Colonel Moutarde. On a rendez-vous dans la bibliothèque ou dans la cuisine? Oh putain, quel humour! Et... Qu'est-ce qui est drôle. Bon. On va essayer de se trouver un nœud papillon en bois. Lui, il a des idées à la con. On est dans le nord, tu veux pas en pierre bleue? Je viens de la Vénois. Franchement, on prend un pavé, on taille dedans. Ouais, en métal. En métal. En peau de singe. En peau de phoque. En cuir! En cuir. Et au milieu, tu mets une boule rouge, tu vois, tu mets une boule rouge sort SM. Cuir moustache. Bon, et papa, tu le trouves comment là? T'as même pas regardé. Monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, il s'habille comme ça, je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'avoir vu les gendarmes chez nous s'habiller comme ça. Ah, c'est pas mal, franchement. Ah, c'est comme ça, James Bond. Il est super joli, j'aime beaucoup la couleur, franchement. Mais comme tu dis, Thibaut, la lumière est dans l'ombre, ça rend pas pareil. Ouais. C'est pas la même couleur. Oui, mais moi je prends naturellement la lumière, tu vois. Bon, on vous reprend du coup de la cuisine. On fait aujourd'hui des moules au maroilles. Des moules nordistes. Il y a que ça de vrai, le maroilles. Non, nordistes. Nordique, c'est plutôt les pays. C'est ça. Du coup, les moules sont ici. On va remplacer le mot nord par ch'ti. De base, il fait des moules marinières, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que, comme j'allaite, on ne met pas de vin blanc dans les moules. Donc, on esquive le vin blanc. Vin blanc, si j'arrive à parler. Et on fait notre sauce au maroilles dans le thermomix, qui n'est absolument pas obligatoire. Vous mélangez tout simplement du maroilles avec un peu de crème. Et vous faites fondre un maroilles. Donc nous, on fait un maroilles complet. C'est un sorbet. Ah là, j'avais pris un sorbet. Ouais. Donc les grands maroilles. Un sorbet pour 40 centilitres de crème liquide. Voilà. Et une fois que les moules marinières sont faites, on verse la sauce sur les moules histoire que ça rentre bien dans tout. Et on mange comme ça avec du pain. Et c'est vraiment très bon. On balance toutes les coquilles dans la rue et on fait un tas. Ah non, ça c'est en septembre. Oui. Pour ceux qui connaissent pas, à Lille. Il y a c'est la foire de Lille ? Braderie. La braderie de Lille. Et en fait, il est bien connu que tout le monde mange des moules là-bas. Et quand ils ont terminé, ils mettent, enfin, toutes les coquilles de moules, ils font des tas. C'est un peu une tradition là-bas. Ils finissent à un moment donné par les jeter. Hein. Ça pue un peu dans cette rue d'ailleurs. Et à ce moment-là. Qui est arrivé à 3h du matin. Et voilà les bonnes moules au maroilles. Hey. Oh bah papa, même quand il peut te garder, tiens vas-y, tiens, vas-y, je te le donne. Ah. Attends. Tiens, mets-la. Vas-y, tiens. Ouais, bravo. Ah ouais. Je vais me faire discuter moi. Oh poteau. Et petit canaillou, ça va mieux, hein? Ah, ça va mieux, on est beaucoup plus en forme. Hein. On n'arrête pas de faire des trucs avec sa langue, là. Je pense que c'est encore les dents qui font des misères, hein? Tu poses la langue?